Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait super longtemps, mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Donc, c'est parti pour la suite de la vidéo. Donc, pour ceux qui me suivent sur Insta, Snap, etc., vous avez déjà vu que j'ai adopté un petit chiot qui s'appelle Mio. Je vais vous le présenter juste après. Donc, je vais vous montrer les petits accessoires que je lui ai achetés. Et ensuite, bah, du coup, je vous montrerai bien sûr mon petit chien. C'est parti! Donc déjà, je lui ai acheté un petit panier. Donc, il était en solde. Je crois que je l'ai acheté à Terre Animaux. Je sais plus. Bon, de couleur rose, même si c'est un petit mâle. Un petit plaid que l'éleveuse m'a offert gentiment. Franchement, j'adore la couleur crème comme ça, c'est trop beau. Et en plus, il adore les plaids. Ensuite, les petits joujoux, il a un petit monstre comme ça, trop mignon. C'est son jeu préféré, pareil que l'éleveuse m'a offert. Non, non, toi, on te verra après. Un petit jeu comme ça, bon c'est pour les chats de couleur rose. Alors il n'a plus d'yeux parce qu'il les a mangés, donc on les a retirés pour éviter qu'ils s'étouffent avec. Encore et encore des jeux, donc ça c'était pour Noël mais du coup moi je l'ai eu après. Un petit pingouin, voilà, trop choupi, qui fait du bruit et où il peut tirer dessus avec la petite corde. Franchement, je l'adore. Un petit donut, pareil, hein, il a déjà mangé les oreilles donc je les ai coupées. On a encore une hein, qui est survivante, mais pareil, il est trop trop beau. Et un petit ourson comme ça, il est trop mignon. Et ensuite, hein, une sorte de petit bonbon, voilà, je sais pas trop. Voilà, pareil, il aime beaucoup. Ici, on a une petite cage, donc c'était juste pour sa sécurité que je l'ai acheté, parce que je vous assure, il n'est jamais dedans, il a horreur de ça. J'ai pris les petites gamelles, donc ça c'était dans les petits kits éleveurs, donc voilà, c'est des royal canins pour les croquettes, voilà, il y a l'autre petite gamelle d'eau. Pareil, un petit plaid, bon, qui vient de chez Action, j'ai juste mis en guise bah, qu'il soit pas directement sur le plastique. Donc ça, c'est ces petites croquettes, donc des petits mini, hein, parce que vous allez voir, il est vraiment tout tout petit. Sachant qu'en vidéo, je pense qu'on va croire qu'il est beaucoup plus grand que ça, mais je vous assure, il est tout petit, il fait même pas un kilo. Donc voilà, voilà. Ensuite, encore et encore, des petits accessoires. Donc, j'ai pris un petit spray démêlant parce que ces chiens-là, il ne faut jamais les brosser à sec. Donc, voilà. En plus, le démêlant, ils sont super bons. Une petite brosse, bien sûr, pour le côté brossant et le petit côté lissant. Voilà, tous les jours, je le brosse parce que vous allez voir, il a vraiment beaucoup, beaucoup de poils. Des petites lingettes. Et oui, parce que comme il a toujours beaucoup de poils, quand il va faire bah, ses besoins, enfin surtout, voilà, ses selles, il peut en rester collé. Donc du coup, j'utilise des petites lingettes et vraiment, quand c'est vraiment beaucoup, beaucoup, bah, je le lave, enfin juste les petites fesses. Là, c'est le petit placard, donc où il y a tout, du coup, pour le chien. Là, c'est pour le chat. Bon, les allées, c'est pour, du coup, le chien. Il y a des petites friandises, mais il aime pas du tout. Il les mange pas. Donc, voilà. Il est assez difficile. Et puis là, bah, du coup, c'est encore des réserves hein, de croquettes que j'ai. Voilà son petit carnet de santé. Voilà, Mio. On adore son petit prénom. Il est né le 15 novembre. Donc c'est un merle bleu particolore, voilà c'est un spitz et du coup un mâle comme je vous l'ai dit. Hop, je vais vous montrer du coup sa première petite vaccination, si je retrouve où est-ce que c'est parce qu'il y a trop de choses dedans. Le carnet, voilà. Donc du coup oui comme je vous dis, hein, 830 grammes, donc là il a grossi hein, je vous assure quand même, il doit peut-être avoir les 900 grammes maintenant je pense. Et il a rendez-vous bientôt chez le véto. Je vous emmènerai avec moi pour vous montrer bien sûr sa petite évolution. Donc là il est en train de jouer, voilà. Il est vraiment tout tout petit hein. Mio, tu viens? Tu viens? Regardez comment il est trop beau. Du coup là je vais vous le présenter, il est avec moi. Voici Mio. Donc il est trop trop chou, il a des beaux petits yeux bleus. Un petit cœur. Un petit cœur, t'as des beaux petits yeux. Bon là il voulait jouer hein, donc je l'embête. Je t'enquiquine. Ah trop chou. Là on va aller faire une petite promenade. Donc ça fait pas si longtemps que ça que je le sors. Tout simplement parce que je voulais vraiment qu'il s'habitue déjà à mon couloir. Parce que c'est vrai que le monde extérieur, il connaît pas du tout.
Donc du coup maintenant il est habitué, hein, le couloir il connaît par cœur, vous allez voir il sautille partout. Et juste avant je vais vous montrer la petite vidéo que je vais vous mettre de sa toute première promenade, franchement il était trop chou. Et puis nous bah c'est parti, on va se préparer. Tu veux? Tu veux? Ben non! C'est bien. Bien. Bon bah du coup, c'est parti. Tu viens? Bon, là, il me fait une petite crise, il veut rentrer. On a fait genre même pas 100 mètres. Voilà, monsieur est pas content. Et hier, il m'a fait la même chose. Sauf qu'il faut qu'il s'habitue à se promener. C'est pas dans le bon sens, hein. Je suis carrément obligée de le porter puisque monsieur ne veut pas avancer. Hein? Qu'est-ce que tu dis de ça? Hein? On voit qu'il est pas très habitué du coup à se promener, mais... Sauf que c'est pas une promenade dans les bras. Hein? Et le chemin inverse, j'en suis sûre, il va courir. Il va être content. Allez, on rentre! Et voilà. Et voilà, il est content de rentrer.
Bon là, je vais lui donner de l'huile de saumon, il adore ça, vous allez voir, parce qu'en fait, il a des petites croûtes dans sa peau, et c'est une solution miracle, et du coup, je lui donne ça pendant 15 jours, là, ça va bientôt terminer, à partir de dimanche, j'arrête, mais il adore. Pep, 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 pep. Juste une demi-cuillère. Hier, je lui ai racheté un petit harnais que j'ai reçu en triple XS parce qu'il est tellement tout tout petit qu'il lui faut vraiment un tout tout petit harnais. Oui, on va les promener. On verra bien parce que les promenades, c'est vraiment plus ça du tout. Il ne veut pas du tout bouger. Et du coup, j'avais racheté ça à Lidl parce que l'autre, elle était à ma pote. Donc voilà. Et en plus, c'est trop bien parce que comme ça, j'ai pas besoin de l'attendre. Hop, c'est extensible de 5 mètres. Donc c'est franchement nickel. Bon bah et puis là il veut rentrer. Hein Mio, tu veux rentrer? Mais on a fait 2 minutes, même pas. Bon bah et puis là on rentre hein, donc tout content. Bon bah aujourd'hui c'est le grand jour, on va aller vacciner Mio, mon copain il vient avec moi. Et là il y a petit cœur qui est en train de faire petit dodo. Avant la petite piqûre. Hein, mon petit cœur. Bon, je vous dirai des nouvelles s'il dit quelque chose ou pas. Et puis, c'est parti. Bon, du coup, on est rentré. Et monsieur, il a rien dit. Ah, t'as rien dit. Il veut jouer. Tu veux jouer. Bah alors, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais le beau? C'est coquin va. Mio. Molo. Bon bah pour aujourd'hui Mio il va beaucoup mieux. Et tu vas mieux mon petit cœur. Bon, on se retrouve après un mois sans avoir filmé, tout simplement parce que j'avais complètement oublié. Mais au moins, comme ça, vous allez voir l'évolution de Mio. Donc là, il est en train de faire sa mue, donc il perd tous ses poils. Il a fait son 3e rappel de vaccin, il a été chez le toiletteur pour se faire tout beau, même si bon, il a plus trop de poils. Donc voilà, je vais vous le montrer. Tu viens dire bonjour? Oh, comme petit grand, mon petit.
montre comment t'es grand bébé. Oh bah oui. Ah t'es grand. Bah oui mon petit cœur. Waouh, t'es tout beau. Donc là en fait c'est là sa mue. On voit surtout sur le côté. En fait ça lui fait plus trop de poils. Donc dès que sa mue sera finie, il va être magnifique. Ah tu vas être tout beau. Bon et puis nous on vous laisse là-dessus, mon petit coquin. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, vous allez voir l'évolution, je mets toujours des petites vidéos de lui. Arrête de jouer avec mes cheveux. Et puis bah sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.